Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Destiny 2 et on va parler en particulier d'Eption. Puisqu'une information vient de tomber, elle a été partagée par la communauté de joueurs de Destiny sur le site reddit.com et donc ces derniers ont analysé quasiment image après image tous les gameplays au sujet de Destiny 2 qu'on a pu partager à l'occasion de l'E3, du livestream de Bungie du 18 mai dernier. Et donc ces joueurs ont remarqué tout simplement que l'Eption avait une nouvelle habilité. Vous allez voir, elle est plutôt badass, donc je vous ai mis les images en boucle afin que vous puissiez apprécier la petite action d'Eption un peu plus en détail. Donc on a tout simplement l'impression que ce pion projette une sorte de mini bombe Nova. Donc ça ressemble un petit peu à une boule d'Aria mais en dégâts abyssales. On le voit un petit peu mieux sur le deuxième gameplay de cette vidéo, dans lequel on voit la boule abyssale se retrouver projetée au fond du couloir duquel le gardien arrive une fois après qu'il l'ait esquivé. Et donc on remarque bien qu'il s'agit d'une sorte de boule de dégâts élémentaires et donc d'une nouvelle capacité de nos amis les pions. Donc voilà, l'information ne va pas plus en profondeur, malheureusement c'est la seule bribe d'info que nous avons eue au sujet de cette nouvelle capacité, mais je la trouvais vraiment badass, du coup j'avais envie de la partager avec vous, des fois que tout comme moi vous l'ayez loupé. Même après avoir regardé des heures et des heures de gameplay et de stream en rapport avec Destiny, je vous avoue que moi-même je n'avais pas fait gaffe à cette nouvelle capacité pour les pions. Donc voilà, j'avais tout simplement envie de pointer du doigt ce nouveau petit détail en rapport avec Destiny 2. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve très vite. Passez une bonne journée, geekez bien, ciao tout le monde !